partie donc pour le prix Le Vénard. Il s'agit d'une course plate donc sur la distance de 800 mètres avec un bon départ de Soares Colomba qui s'est tout de suite apparu quand même avec un très léger avantage avec Versailles du type. On suit bien maintenant en seconde position. On est là maintenant en troisième position avec Irish Coffee qui va tenter de venir progresser. Les concurrents qui sont maintenant dans le tournant et toujours une allure très sélective en tête avec Soares Colomba qui a le droit à l'avantage, mais Versailles du Diponche vient lui contester cet avantage actuellement alors qu'on est en troisième position avec Irish Coffee qui va tenter de venir avec Jamaican Develin également qui n'est pas loin du tout. Les concurrents qui vont maintenant aborder à la phase finale de l'épreuve dans quelques secondes. Toujours un peloton groupé dans cette épreuve actuellement avec Soares Colomba, avec Versailles du Diponche qui va tenter de repartir le problème maintenant et qui va venir alors qu'on tente de se rapprocher également avec Père Heureuse Marie, puis Superman qui n'a pas dit son dernier mot également et puis Imperialet qui va tenter de venir décaler les concurrents qui sont maintenant à moins de 200 mètres du disque final. Une ligne de Père Heureuse maintenant avec les avant du poteau Versailles du Diponche qui va tenter de se relancer à l'extérieur. Les Jamaïcains de Valo et Camille Rossignol à première étage côté corde. Superman termine très bien également. Jamaïcains de Valo qui sont une dernière accélération à s'imposer. Camille Rossignol, la cavale de François Nicole. On est deuxième avec Bérénice Meunier qui termine actuellement donc à la deuxième place avec Small Land Listening. Attention, il reste encore deux candidats à franchir le poteau. Belle arrivée, hein. Belle arrivée discutée.